Bonjour à tous, c'est Benton Norskaï. Je suis l'entraîneur de la Fighters Revenge Pro Wrestling, donc de la FRPW. Et aujourd'hui, je suis dans le pôle combat de la ville de Pessac. Alors pourquoi? Parce que malgré les temps qui courent, on a continué à travailler avec la ville de Pessac et en accord avec eux, on a réussi à négocier un nouveau créneau d'entraînement, donc supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà. Et donc ça va se dérouler dans une des salles du complexe sportif de Belgrave, et c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Je vous invite à me suivre, et on va directement aller dans la salle. Comme vous le voyez, on a un grand espace à disposition, et l'intérêt d'avoir une salle comme ça pour nos entraînements, ça va être de pouvoir développer un petit peu le panel de nos entraînements. On va pouvoir travailler tout ce qui va être placement dans le ring, on va pouvoir axer sur un côté technique qu'on n'avait pas forcément l'occasion de mettre en place régulièrement. Là, on va pouvoir le faire de manière hebdomadaire, ce qui va être un plus pour les entraînements au niveau de la Fighters. On a un vrai ring, un ring dit pédagogique, car le sol est en tatami alors que l'autre est en bois. Alors même si ce sont des rings de boxe, on a quand même, nous, un intérêt au niveau du placement, d'entrée, des sorties. Donc on va pouvoir développer cet aspect-là. On a ensuite un grand espace qui permet de s'entraîner, de s'échauffer avec de l'espace sans être les uns sur les autres. On a aussi une série de sacs de frappe qui va pouvoir permettre à plusieurs personnes en même temps de travailler sur les coups avant de frapper vraiment les copains et les autres catcheurs et catcheuses du club. On a également des mannequins pour travailler la précision des coups. Donc on a beaucoup de matériel à disposition et d'espace, sachant que ça va aussi nous permettre de pouvoir travailler les entrées et du coup sur un côté de personnage des catcheurs qu'on ne pouvait pas autant développer jusqu'à présent.